Hop. Hé hey, Mimi, on s'est de nouveau fait avoir cette année avec le Fred et la Claudine. Ils nous ont encore collés de corvée. Purée, c'est pas possible, chaque année c'est le même bazar. Toujours les mêmes, chaque année c'est toujours les mêmes. C'est toujours nous qui nous tapons le ménage. Bon, on va voir ça. On va essayer de faire un peu de ménage, hein. Tu sais que moi, hein, ce changement d'horaire, je ne supporte plus. Tous les ans, c'est la même chose. C'est vrai, Macron, il avait dit que ça changerait, mais finalement... On en est toujours au même point. Les impôts, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Non. Tout à fait. Même mon mari s'est fait avoir. L'autre jour, il voulait prendre son train pour aller au travail. Il s'est pointé une heure en avance. Ce couillon, il est resté une heure sur la gare, sous la pluie. Il n'avait même pas emmené de parapluie. Dis donc, tu ne trouves pas, Mimi? C'est bizarrement un peu propre ici. Et puis moi, il y a encore plein de monde dans ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Le spectacle, il est fini. Nous, on est là pour faire le ménage. Ils vous ont pas dit, Claudine et Fred? Mais c'est fini, hein? Mais c'est quoi ce bordel? C'est fini. Nous, on vient nettoyer. Mais bon, tout est... Ah, en avance. Ah, mais ça, c'est ce changement d'horaire. Franchement, mais c'est tellement propre que... C'est quoi? On va un petit peu se tailler une bavette. Ouais. On va en profiter. Allez, on va en profiter. On va s'installer. Attends, je te cherche des chaises. Oh, purée, un fauteuil de reine. Waouh, elle est pas belle la vie? Hein? Franchement. Ah, là, là. Et en plus, le grand patron n'est pas là. Alors, on a le temps, Mimi. On va en profiter pleinement pour se raconter toutes nos petites bêtises qu'on fait tout le temps. Et au fait, Mimi, t'es au courant? Au courant de quoi? Mais tu sais, là, la grosse, là, comment elle s'appelle déjà, là? Ah ouais, la grosse Justine, la blondasse, là, avec ses cheveux longs et ses gros loulous. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais je crois bien qu'elle s'est mariée cette année. Ah bon? Et avec qui? Écoute, elle s'est mariée avec un écrivain. Hein? Il y en a qui ont de la chance, hein? Elle s'est mariée avec un écrivain. Un écrivain? Mais il fait quoi? Il est journaliste ou il fait des romans? Il fait quoi comme écriture? Eh ben, il écrit des chèques, tiens. Celui-là, elle en a trouvé un bon, hein? Hein? Il est où le mien? Il fait pas de chèques. Nous, on n'a pas cette chance, c'est comme maintenant, on doit toujours nettoyer. Nous, on se paye deux boulets. Ouais, on en a des boulets. Effectivement, des boulets, il y en a partout. Mais alors, des canons, ça manque vraiment. Ah ouais, les canons, ça, on se demande où ils sont. Ils se cachent bien. Bonjour les filles. Ça va, la vie est belle? Les mouchepettes, ça colle aux vitres. Vous voulez peut-être un hamac aussi, non? Non? Ça va bien? Et le boulot, là, non? Mais chef, on a tout fait, tout est propre. Tout est propre, en 10 minutes. Bien sûr, tout est propre. Là, prenez-moi pour un jambon. Vous avez transformé vos manches à balai en baguette magique pour me faire ça en 10 minutes? Tout à fait. Ben oui. L'efficacité. Ben oui. Lundi, 8 heures. Vous allez me réexpliquer ça. Ben oui. Vous avez... C'est propre. Je peux regarder? Ah oui. Il pousse loin le vis, hein? L'inspecteur des travaux finit. C'est bien homme, on voit que c'est pas lui qui nettoie. À vous, je peux le dire. Yes! Les filles du logis, je les ai trouvées! Ma carrière va s'envoler! Bah écoutez, les filles, là, vous me bluffez, hein. Vous me bluffez. Mais... Félicitations, les filles. Merci, chef. Là, vous m'impressionnez. Merci, bah, écoutez, chef. Écoutez, on a un peu de temps devant nous, parce que la terreur de Fred n'est pas près d'arriver. Vous avez gagné, tourné un peu en avance. Écoutez, on va se prendre un peu de bon temps. Bah, tiens, écoutez, installez-vous. Je vais même vous offrir un café, les filles. Merci, chef. Ne bougez pas. Quand même sympa notre chef, ça change de Fred. Hein. Ah bah ouais, hein. Ça c'est quand même autre
autre chose. On a le droit de s'asseoir et puis on a le droit de prendre. Tiens, tiens, prenez ça. Eh, tous qui sont là, ils savent pas tout ce qu'on souffre, hein, toute l'année avec Fred et Claude. Hein. Ah, vous êtes des amours. Eh, ah, bah tiens, attendez, pour vous récompenser, attendez. Parce que je sais que vous adorez les histoires croustillantes. Attends, alors, eh. Comment va votre fille, Mimi? Et votre fils, Cricri? On s'en fout. Ma voisine, Fernande. Vous connaissez Fernande, là? Juste derrière, derrière le... Mais si! Mais si, sa voisine Fernande! Mais bien sûr, la Fernande, je ne sais pas ce qui lui arrive. Tous les jours, elle reçoit la visite d'une infirmière qui lui injecte... qui lui injecte des doses de d'eau de mer en piqûre. Là, elle hurle. Elle hurle. Mais attends, nous, avec ma femme, on n'endort pas la nuit, pas parce qu'elle hurle, c'est pas possible. Mais non, pas de l'eau de mer. Je vous assure, de l'eau de mer. Des piqûres d'eau de mer. Mais pour faire quoi? Comment ça, pour faire quoi? Ah oui, là, ça sert à quoi, des piqûres d'eau de mer? Mais parce qu'elle a la boule sèche, faut la soigner. elle est pas drôle, hein. Alors attendez, avant que l'autre arrive là, l'espèce de maniaque là, le Fred, parce que les élèves, ils n'ont pas rigolé tous les jours parce que, il passe partout là et que c'est toi, il me trouve une petite poussière, il me fait un pataquès. Or les élèves, je vous dis pas, hein, il doit être maniaque, il doit être chaud. Le bras n'est pas comme ça, le truc est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur Fred, monsieur Fred, vous avez vu le travail? Écoutez, on parlait de vous, monsieur Fred, mais dans la société, c'est net. Mais vous êtes une star. Et aux élèves, qu'est-ce qu'ils sont gâtés? Franchement, ouais. Avoir un enseignant comme vous, pointilleux, rigoureux. Et 23h, c'est fini, hein, c'est propre. Là, je devrais voir la peur dans ton regard. Parce que fait combien de temps que tu bosses pour moi, là? Tu voulais une rupture... De toute façon, on vous l'a dit. Hein, tu voulais une rupture conventionnelle? Pas encore, non? Eh ben, tu peux te rater, hein. Tu me dégages, soirée là, merde. Merci de votre soutien. Hein. Écoute, vous retiens, hein, filles. Hein. Bah, mais sans déconner. Et ils voulaient vous virer. Non, on les applaudit pas. Ils voulaient vous virer parce que la soirée était finie. Non, mais sérieux. Allez, on peut applaudir Mimi, Anne-Christine et Pat.